Dans l'étoile de Farzaneh, on sent une belle énergie. On y voit la ferveur et l'enthousiasme du peintre pour la matière picturale. Alors, ces couleurs, enfin, sa couleur en général est brillante et tonique. Des rouges côtoient des bleus profonds. Les blancs lumineux jouent avec des noirs colorés. Sa matière est très riche également, parce qu'elle la travaille avec amour. Elle est onctueuse, elle est généreuse, cette matière. Alors, ses sujets sont variés, bien entendu, mais elle a une prédilection pour les paysages. Et ces paysages sont travaillés dans un premier temps sur le motif, parce qu'il faut que le peintre s'imprègne de la réalité de la nature. Et ensuite, ils sont repris en atelier pour pouvoir travailler la composition afin de la rendre plus ordonnée et qu'elle tende vers une harmonie plus grande. Alors, c'est au cours de cette phase que certains détails superflus seront supprimés au profit des grands rythmes de la composition. Alors, de ce fait, le sujet est traité, mais ce que l'on contemple, c'est une vraie et belle peinture.